base militaire française de Gao au Mali. Il est 8h30 lorsque l'équipe médicale de garde est appelée pour une urgence. Munis de leurs casques lourds et de gilets de protection, ils foncent à l'entrée principale de la base où un blessé vient d'arriver. À l'entrée du camp, l'équipe médicale découvre un jeune homme d'environ 20 ans. C'est un combattant d'une milice Touareg en lutte contre les groupes terroristes. Il a une blessure par balle au pied droit. Ici, tous les blessés sont pris en charge. Qu'ils soient soldats français, maliens, militaires ou civils, tous ont droit aux mêmes soins lorsqu'ils arrivent à l'hôpital militaire de Gao. 37-7. Reçu. Ça va ? Du coup, ça commence à faire. Ouais, tu comprends le français ? Pardon. Oui, un peu. En salle de déchocage, tout est déjà prêt pour accueillir le blessé. L'équipe est rodée. Présent à Gao depuis 3 mois, ils ont déjà tous vécu cette situation. La gestion d'un blessé en condition de stress, c'est leur quotidien. On restera à la place pour la radio ensuite, s'il vous plaît. Radiologie, scanner, bloc chirurgical. En pleine zone de guerre, les équipes médicales bénéficient de tout le matériel nécessaire. La lumière, s'il vous plaît. Au chevet du blessé, le commandant Dimitri, chirurgien orthopédiste, inspecte la plaie et découvre les dégâts. La blessure est grave. La balle est entrée juste au-dessus du pied et l'a traversée de part en part. Dimitri doit opérer en urgence. Tout va bien. Il a 19 ans. 19 ans, ouais. Immédiatement transféré au bloc, le blessé est pris en charge par les anesthésistes. C'est juste de l'oxygène. Bon. Voilà. 15 minutes seulement après son admission, le patient est endormi au bloc et le commandant Dimitri est prêt à opérer. 1, 2, 3. C'est bon pour moi. Stop, pause. L'orifice d'entrée, il est là. On fait le badigeon jusque sous le genou. Et le garrot est devenu à 300. Parfait. Ça a dû prendre tout le pédicule ici. Sortir là. Ok, bon, on va explorer tout ça, hein. On va regarder. C'est tellement sale, je pense qu'on va carchériser. Allez, on va tracer le trajet de la balle. En général, une plaie par balle, c'est très sale, c'est très contaminé. La nécrose des tissus cutanés, sous-cutanés, musculaires, etc. est très importante. Donc là, le principe de cette intervention, c'est de limiter le risque d'infection secondaire. Donc en fait, on dilue les germes mécaniquement avec beaucoup d'eau. Plus on met d'eau, et moins il y a de germes. Donc normalement, c'est minimum, une plaie de guerre, c'est minimum 3 litres d'eau. Le vrai risque avec une plaie par balle, c'est l'infection. Et pour cause, une balle est tout sauf un bout de métal stérile. Hop, on va passer là. Alors quand elle traverse les chairs, c'est autant de bactéries et d'infections potentielles qu'elle dépose. Ça, c'est en fait, il y a tout son tendon d'Achille qui est là. Ouais, on comprend bien. D'ailleurs, il est quasiment intact, son tendon d'Achille. Ouais, le tendon d'Achille est intact. L'intervention se termine. L'équipe du bloc a rempli sa mission. Mais le pied n'est pas pour autant sauvé. La balle a détruit de nombreux tissus et il devra être réopéré. En général, on fait un premier temps de chirurgie qui permet de décontaminer et souvent, on fait une deuxième chirurgie de reconstruction, quoi. C'est dans un hôpital civil malien que ce blessé sera orienté pour la suite de ses soins. Car ici, on ne fait pas de chirurgie de reconstruction. En pleine zone de guerre, on fait de l'urgence. Feu ! Nous sommes au cœur de l'opération Barkhane. De la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 4500 militaires français sont déployés. Leur mission, pourchasser des groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda et Daesh. Et c'est à Gao, au Mali, que se trouve l'hôpital où sont accueillis tous les blessés de la ligne de front. Allez, poste 1 pour celui-là, je commence à le prendre en charge. Au cœur des opérations, nous avons suivi 3 équipes médicales. Au bloc opératoire,
nous avons partagé le quotidien du commandant Dimitri, chirurgien orthopédiste. Là, c'est allé assez profond quand même. Hein. Ah ouais. La balle est allée se planter dans le thorax en se posant sur les côtes. À l'hôpital de Gao, il va être confronté à ce que tous redoutent le plus, une arrivée de blessés multiples. Ok, ça va piquer, tu bouges pas, hein, d'accord ? Tu bouges pas. Le premier ici, il a pris une balle dans le mollet, à environ 5 heures de garrot, il a une jambe là qui souffre. Dans la zone de Tombouctou, le capitaine Fabien découvre sa première opération extérieure. Là, c'est bon, on se dit, on n'est plus à la maison, on est vraiment sur le terrain et c'est parti. Médecin au 2e régiment étranger du génie, il doit pouvoir soigner tout type de blessure à tout moment et en toutes conditions. Parce que ça bouge pas. C'est pas tous les jours qu'on se fait recoudre le petit doigt en plein milieu du désert. En France, Amira, jeune infirmière de 26 ans, se prépare à partir au Mali. Blessé au sol, deux blessés. Grâce à des simulations au réalisme poussé à l'extrême, elle va découvrir la difficulté du secours en zone de guerre. Ça va mieux ? Non. Ils sont médecins et ils sont aussi soldats. Ils ont choisi de porter secours en première ligne, quels que soient les dangers. Je suis là pour soigner tout le monde, aussi bien français, malien que terroriste. En revanche, si on me tire dessus, bah, je me défendrai. Voilà, l'envie de vivre en fait, tout simplement. Car face aux groupes terroristes, ils sont devenus des cibles de choix et l'ont déjà payé au prix fort. Chirurgiens, médecins, infirmiers, secouristes de combat. Nous avons pu suivre pendant un mois ces soldats de l'urgence au cœur de l'opération Barkhane. Et c'est en France, dans un camp militaire de la région lyonnaise, que tout commence. Vous appelez votre sirop de morphine ? Non. Pendant 2 semaines, sous le regard de 15 formateurs aguerris, 24 stagiaires vont apprendre à faire les gestes qui sauvent comme ils ne l'avaient jamais fait. Voilà, parfait. Ça y est, tu l'as fait. Tu l'as passé en dessous. Déjà infirmiers diplômés d'État, ces hommes et femmes qui servent dans les hôpitaux militaires français partent dans quelques mois au Mali. Ils connaissaient la vie au bloc et en salle de réanimation. Ils vont découvrir le volet militaire de leur métier. Michel. C'est sous les ordres du major Laurent, directeur de ce stage, que les élèves vont suivre plusieurs ateliers. Sa mission, les préparer au mieux à ce qui les attend en zone de guerre. Pour l'instant, ils sont à des années-lumière de se rendre compte de ce qui va leur arriver. Donc en France, on a des blessures balistiques. Seulement en mission extérieure, c'est vraiment des blessures qu'on appelle de guerre. C'est de l'arme de guerre, c'est du lourd. Les gens, ils sont polycassés, polyabîmés. Ils pètent sur des mines antipersonnelles. Donc il va falloir s'adapter en permanence. Et peut-être voir même des choses horribles qui vont certainement les marquer. Mais dans notre job, c'est ça qui nous fait avancer, quoi. Ça nous fait grandir. On va passer dans la poignée. Pour les équipes médicales, partir en opération n'est pas anodin. Dans les hôpitaux militaires de campagne, ils côtoient la réalité des combats. Blessures par balles, éclats de roquettes, mutilations. Au Mali, ces stagiaires doivent s'attendre au pire. C'est très difficile psychologiquement quand effectivement vous étiez la veille au soir en train de boire une boisson avec les gars et que le lendemain vous apprenez que c'est ces gars-là qui vont vous arriver. Qui vont vous arriver blessés, mutilés et pour certains morts. C'est parti pour un stage intensif de 15 jours au cours desquels les élèves vont être confrontés à plusieurs situations réalistes. Et l'un des risques de la guerre contre les groupes terroristes aujourd'hui, c'est celui de l'attaque chimique. Pour secourir dans ces conditions, il faut enfiler une tenue de protection adaptée. Et Hervé, infirmier en bloc opératoire, va découvrir la difficulté de porter secours avec un tel équipement. Là, on est pareil. À démarrer un petit exercice pas très facile. Ceux qui auront des difficultés pour respirer, claustro, ou qui ne sentent vraiment pas bien, n'attendez pas de tomber dans les pommes. C'est vraiment ce que je recherche. Je veux juste vous faire toucher du doigt ce que nos camarades combattants risquent de subir si jamais ils devaient aller récupérer des blessés suite à des bombes
ce qu'on appelle les bombes sales, hein, des bombes avec du chimique, des bombes avec du nucléaire, etc. Donc il y a un moment, ils seront peut-être en sous-effectif et il se peut peut-être qu'on nous demande de participer. Si l'attaque chimique n'est pas le premier risque auquel seront confrontés ces infirmiers, la menace est néanmoins réelle. Inspire. En Syrie, de telles armes ont été utilisées par les groupes armés terroristes. Alors pour parer à toute éventualité, il faut apprendre à intervenir avec un masque à gaz. J'ai pas l'habitude de faire des pompes avec, donc je sais pas ce que le major va nous demander tout à l'heure. Je pense que si, ça va être compliqué. Fléchir. On va remonter. L'exercice commence par un échauffement musculaire et un footing qui, à première vue, n'ont l'air de rien. Prêt pour lever, lever. Mais qui mettent tout de suite les élèves en difficulté. Super. Car avec un masque à gaz, l'air manque rapidement lorsque le rythme cardiaque augmente. Et transporter un blessé dans ces conditions devient vite un vrai calvaire. Ça va au niveau de la respiration ? Après avoir rampé sous un véhicule et zigzagué entre des murs de briques, le brancardage se poursuit sur un plan incliné. Allez, c'est bon là, on tient. On lâche rien. On va vous poser une voie là. Le parcours terminé, il faut désormais enchaîner avec les soins. Mais avec la chaleur sous cette tenue étanche et la buée à l'intérieur du masque, les gestes sont moins précis. Est-ce qu'elle est sécurisée, ta voix ? Non. Pas évident de bosser dans un univers confiné sous un masque. C'est se rajouter de la difficulté, c'est se rajouter des épaisseurs et ce qui manque, c'est le toucher. Tu veux voir passer les cordes vocales. Hervé doit intuber un patient. L'opération, déjà délicate en temps normal, devient un enfer avec cette tenue. Le stress augmente, Hervé manque d'air et il fait un malaise. Ouais. C'est un peu mou, hein, quand même. Hein. C'est un peu mou, non, les... J'ai l'impression d'avoir fumé la pâte. On va se rasseoir pour le côté, prendre un voilà. Quoi, c'est le manque d'oxygène, le manque de... Je sais pas, j'ai eu un blanc, je suis visiblement tombé. D'accord. C'est que c'est la première fois que je tombe. Et alors ? Moi aussi, ça m'arrive. Hein. Non, merci. Ouais, c'est allongé pour l'instant. Alors qu'un élève a remplacé Hervé sur le mannequin, un autre stagiaire vient s'occuper de lui. Comme en zone de guerre, il faut savoir s'adapter à la situation. Il faut accepter parfois la difficulté, il faut accepter l'échec, il faut accepter de pas être bien. Donc je sais que c'est pas facile, hein, on reste humain, on a cette obligation, on a ce sentiment d'obligation de réussite. Il faut plusieurs minutes à Hervé pour reprendre ses esprits. Avec cet exercice, le ton est donné. Et les difficultés ne sont pas finies pour les stagiaires, car au Mali, il y aura des vies à sauver. Ça va ? Ouais, ça va. Ça va mieux ? Ça va. Je supporte pas l'échec. Oui, moi non plus. Hein. Parce que c'est de l'exercice, mais s'il y avait quelqu'un à aider, je suis au tas. C'est tout. Si on n'a pas le droit. C'est pour secourir au mieux et en toute situation que les élèves enchaînent les exercices. Au programme du jour, une attaque sur le camp avec un véhicule piégé. Plusieurs blessés graves vont devoir être secourus en même temps. Et pour pousser le réalisme jusqu'au bout, les mannequins ont des blessures plus vraies que nature. Ça pète sur le camp. Je sais que j'avais des guerriers un peu partout, mais j'ai pris une roquette dans la gueule. Donc il va falloir qu'on aille prendre en charge deux blessés qui se trouvent à l'extérieur. Il y aura un leader. Ok, leader. Go ! Le chronomètre est lancé. Les élèves ont 30 secondes pour s'équiper et c'est Amira, 26 ans, infirmière en bloc opératoire, qui va commander ses camarades. Dépêchez-vous. Apparemment, ça saigne de partout. Faut vite y aller. Vous avez déjà perdu 45 secondes, on se dépêche. Allez ! Gilet pare-balles, casque lourd, fusil d'assaut. C'est avec 15 kilos sur le dos qu'Amira court vers le lieu d'intervention. Blessé au sol, deux blessés. Milon, en avant. Allez, on s'éveille. Christelle, tu vas sur celui-là. Sors-moi le sac. Sors-moi une garrot. Oh, Major Mayou. Je garrote. Tu es mourir, putain, Major Mayou. Allô. Allez, ça va aller. Regarde le membre inférieur, l'autre membre, s'il arrive. Hein. Allez, on continue. Ah, j'ai mal.
Laurent met la pression. Le premier ennemi au combat, c'est le stress et l'imprévu. Et ici, tout est fait pour désorienter les élèves. Alors Camira prodigue les premiers soins, des coups de feu résonnent. Faut dégager! Tiens, ça tire les gars, faut les évacuer! Allez, go. J'ai contacté le rôle 2. Marche. Ils vont arriver. En tant que leader, Amira doit gérer la situation dans son ensemble, donner des ordres et s'assurer du bon diagnostic de chaque blessé. Un exercice de concentration compliqué au milieu d'une ambiance de guerre. On commence par le début. Comment tu sais qu'il ne s'assène pas ailleurs? Tu me le fous à poil, ton mec. Putain, recto verso. Comment tu peux voir qu'il n'y a pas autre chose ailleurs? Ça va pas, là. Ça va pas. Ouais, c'est très dur. C'est très, très dur. Mais en tant que leader, on perd vite ses moyens si on n'est pas habitué. C'est qui le leader? C'est qui le leader? C'est moi, mais pour l'autre blessé, j'ai... Ok, c'est qui le leader? Viens avec moi, viens avec moi. Toi, t'es leader. Oh, oui. Tu lui dis, toi, tu vas sur ce blessé. Oh, toi, tu vas sur ce blessé. Dis-lui. Toi, tu vas sur ce blessé. J'ai mal, j'étouffe. Et toi, t'as besoin d'aide? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il a eu une plaie par balle transfixiante. Ouais. Porte d'entrée là, sortie dans le dos. Ah bah. Ok. En haut du dos. Le but du jeu, c'est de les faire réagir et ils réagissent. Après, que ce soit pas parfait, c'est pas grave. On leur met une pression énorme, là. On les fait bouger de dehors, ramener à l'intérieur, ils perdent le matériel, ils sont pas habitués. C'est hyper important qu'ils prennent conscience de ce qui peut se passer. Ça peut leur péter, ça peut péter sur le camp, ils peuvent être amenés à faire ce genre de choses. Ça va mieux? Non. Bien. Maintenant, vous allez vous déséquiper, puis on va débriefer tranquillou. Hein? Ça pourrait être réel, hein? Oui. Tu vas pouvoir t'exprimer? Ton ressenti à toi? En tant que leader? Ouais. C'était catastrophique. Mais tu sais, en France, ça pourrait très bien t'arriver. Oui, non, je sais. Avec les attentats. Avec les attentats, oui, tout à fait. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, s'il y avait des attentats en France, je pense que j'aurais été celle qui avait la tête dans le guidon sur un mec à sauver et sans... Enfin, parce que c'est compliqué de se détacher d'un gros blessé, pour moi. Ça sera avec le temps. Ouais. Tu vas y arriver. En participant à ce stage, Amira et ses camarades touchent du doigt ce qui les attend au Mali. Dans la réalité, ils auront de vrais blessés à secourir avec tout ce que cela implique. Et surtout, ils seront comme les combattants, en première ligne. Un risque dont tous et toutes ont conscience, car en plus d'être infirmiers, ils sont également et avant tout des soldats. Je veux partir parce qu'un soldat, qui ne se sent pas soutenu, est un soldat qui a encore plus peur de savoir qu'il y a des gens comme nous qui sont là pour lui, qui sont là pour le soigner, qui sont là pour le soutenir s'il lui arrive quoi que ce soit, qui ira le chercher, qui le ramènera, qui le soignera, qui le renverra en France s'il y a un souci. Ben c'est un soldat qui fait son travail dans de meilleures conditions. Et derrière un soldat, c'est une famille. Et derrière tout ça, c'est la France, quoi. C'est nous, c'est tout le monde. Vous n'avez pas peur de mourir? Pour l'instant, non. En l'état actuel, j'ai pas peur parce que je suis en France, j'y pense. Mais le jour où je partirai, bien sûr, j'aurai peur. J'ai des enfants, moi aussi. J'ai une famille qui m'attend, qui attend que je revienne, bien sûr, j'aurai peur. Vous êtes prêts à le faire, hein? Ah oui. Sans sourciller. Avec ce stage, Amira a pris conscience de sa future mission. En zone de guerre, le pire n'est jamais loin. À 5000 km au sud, dans le poste avancé de Tombouctou, on connaît le prix de cet engagement. Le 2 avril 2019, un jeune médecin qui participait ici à sa première opération extérieure, le capitaine Marc Lécuras, a été mortellement touché par un véhicule. C'était la deuxième fois en moins d'un an qu'un médecin et son équipe étaient volontairement ciblés. Pour son remplaçant, le capitaine Fabien, 29 ans, le risque est donc réel. Je l'avais eu au téléphone 15 jours avant l'accident, pour commencer à prendre les consignes. Ouais, ça fait un choc. Voilà, à moi et à ma famille. Voilà, parce que, en fait, le dernier médecin mort en opération, c'était dans les années 90, au Kosovo, ex-Yougoslavie. Et ouais, ça. La famille prend un clic d'inquiétude de suite.
Voilà, un médecin est mort, est-ce qu'il va t'arriver la même chose ? Fabien, qui a choisi de servir dans la Légion étrangère, connaissait les risques avant d'arriver au Mali. Et le risque principal ici, c'est de rouler et de sauter sur un IED, c'est-à-dire une mine artisanale. Alors au moment où se prépare une mission au cœur d'une zone tenue par un groupe terroriste, la concentration est à son maximum. Je voudrais voir ici, en bleu, notre itinéraire pour la mission de demain. Sur cet itinéraire, vous pourrez voir également les différents hotspots historiques IED que vous trouverez sur votre baptême terrain. Ces mines artisanales qui se déclenchent au passage des véhicules blindés ou qui sont commandées à distance sont un piège mortel. Seule solution pour les éviter, sortir des routes principales et savoir s'adapter au terrain. Le but, c'est d'être le plus imprévisible possible. C'est parfois en utilisant l'axe, parfois en coupant à travers le désert, parfois en utilisant les pistes secondaires qui suivent la route principale, etc. Éviter les mines est une chose. Faire face à une embuscade ou une attaque directe en est une autre. Alors pour parer à toute éventualité, Fabien sera encadré de près. Tu seras escorté. Ouais, tu seras en permanence escorté. Oui, ok. Le but, c'est que tu sois encadré, protégé. À la veille de son départ en opération, Fabien doit accueillir des médecins qui vont le renforcer pendant sa mission. Ah, merci, tout à l'heure. Et pour sortir de la base et faire la centaine de mètres qui le sépare des pistes de l'aéroport de Tombouctou, il doit s'équiper entièrement et sort escorté. Le risque d'attaque est ici permanent et la façade de l'aéroport témoigne de la violence des combats qui se sont déroulés récemment. Ici, en avril dernier, il y a eu une grosse attaque sur notre base avec un véhicule piégé qui s'est fait exploser devant le portail et des mecs en pick-up qui ont tiré sur la base. Voilà, ça a laissé de bonnes séquelles dans le paysage. Voilà. Heureusement, il y a eu zéro mort chez nous. Et en face, on a réussi à tous les neutraliser. Là, c'est bon, on se dit, on n'est plus à la maison. On est vraiment sur le terrain et c'est parti. Pour sa première opération, Fabien se retrouve en première ligne. Et comme responsable médical de la base, il doit coordonner la chaîne de soins qui va se mettre en place pour la mission du lendemain. Il va accueillir deux équipes médicales. La première qui arrive par avion sera stationnée à la base de Tombouctou pendant qu'il sera en mission. La seconde équipe médicale qui arrive à bord d'un hélicoptère Caïman sera en alerte pour venir récupérer au plus vite d'éventuels blessés sur la ligne de front. Salut Kouida. Salut Fabien. Ça va ? Salut toi. Bonjour. T'as pas marché ? Bonjour. Ça t'évitera ici. Avec un médecin. En tout cas, bienvenue à Tombouctou, hein. Ouais. Le ton est donné. Ici, il faut éviter tout signe de reconnaissance qui pourrait devenir une cible. Et pour les groupes terroristes, la Croix-Rouge est devenue une cible de choix. Salut. Fabien. L'équipe médicale est au complet. Si un soldat était gravement blessé pendant l'opération, ils doivent pouvoir l'évacuer en moins de 24 heures vers la France. Sans cette chaîne, l'opération du lendemain serait impossible. Son objectif, se rendre au cœur de la zone tenue par le groupe terroriste qui a attaqué leur base. Bah nous, on est là, à Tombouctou. Les ennemis, vous avez plusieurs groupes terroristes. Ici, l'émirat Tombouctou, leur zone de refuge. C'est par là qu'on va. Notre mission à nous, c'est de faire un contrôle de zone. C'est une zone qui est complètement sous contrôle GAS-GAT. Les femmes n'y vont pas, la MINUSMA n'y vont pas. Et nous, la dernière fois qu'on y allait, c'était il y a un an. Au nord ici, pareil, de la montagne partout, une entrée, une sortie. C'est hyper cloisonné, c'est facile de poser un IED et c'est facile de nous enfermer là-dedans pour nous attaquer. C'est là où potentiellement ça peut taper, c'est là où on peut avoir besoin de vous. Et c'est des petits groupes commandés par un chef. Il y aurait 80 à 100 mecs à peu près à sa botte. L'oiseau, t'as quoi en théorie ? Il y a moins de 100 km, il y a 80-90 bornes. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on t'entend, la localisation, une demi-heure, on décolle, il n'y a aucun souci. Bah, pas de problème. Bon, ça roule. Voilà. Parfait. Les ordres sont donnés. Pour le commandant Mathieu et l'adjudant Guillaume, il faut maintenant transformer le Caïman en ambulance du ciel. Allez, penche. Rodés à cet exercice, ils mettent une demi-heure seulement pour installer leur kit santé. On va mettre le deuxième brancard maintenant. Notre travail est vraiment épanouissant quand on part en OPEX. C'est là où on fait notre travail jusqu'au bout. Mais c'est bon.
Quand on voit qu'on est capable d'un blessé, grave qui saute à 10 heures, on est capable en moins de 24 heures de l'amener à un bloc chirurgical de haut niveau en France, quoi. Avec la chaîne complète du nos camarades au sol, nous qui allons récupérer en hélico, le bloc ici qui permet de stabiliser les lésions. Entre-temps, il y a les avions qui décollent de Paris pour venir le récupérer et le ramener au bloc. Et ça, en moins de 24 heures, c'est fait. Et ça, cette chaîne-là, on est quasiment les seuls. La France est capable de réaliser ça. Contrairement à beaucoup de pays, c'est en étant au plus près des combats que les médecins militaires français accomplissent leur mission. Mais suite aux attaques récentes qui les ont ciblés, ils doivent désormais se fondre dans la masse. Fini la Croix-Rouge. Pour Fabien, le but du jeu, c'est d'être invisible aux yeux de l'ennemi. On a des brancards disposés sur le toit, voilà, qu'on a cachés pour pas que l'ennemi puisse nous repérer en tant qu'élément santé. Normalement, les conventions de Genève interdisent de tirer sur les équipes sanitaires, qui se marquent donc d'une grande Croix-Rouge. Or, on s'est aperçu que les groupes armés terroristes aiment bien cibler les aimants santé parce que ça fait peur à tout le monde. Voilà, on est ce qu'on appelle un pion insubmersible de la manip, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'aimants santé, la manip ne peut pas se faire. Donc tout le monde rentre au camp. Voilà, c'est un moyen d'être sûr en touchant l'aimant santé que l'opération n'aille pas jusqu'au bout. Du coup, quand vous sortez, vous avez une petite appréhension ou pas ? Toujours un peu. Il peut toujours passer quelque chose. Après, il ne faut pas vivre non plus dans la peur. La peur n'évite pas de danger, malheureusement, sur les IED, on peut rien faire. Donc ça claque pas, tant mieux. Le jour se lève à peine lorsqu'une centaine d'hommes quittent la base pour une mission d'une semaine au cœur d'une zone tenue par l'émirat de Tombouctou. Fabien est seul à l'arrière de son blindé. Son infirmier et ses secouristes de combat sont répartis dans plusieurs véhicules. Si l'un d'entre eux saute sur une mine ou est touché lors d'une embuscade, les soins seront ainsi toujours assurés. Les deux premiers jours, le convoi progresse sans difficulté. Mais le troisième jour, face à eux, un imprévu vient les stopper net. En quelques minutes à peine, le ciel devient noir et la tempête menace. Les hélicoptères sont cloués au sol. Il est impossible d'évacuer d'éventuels blessés. L'opération est à l'arrêt, le temps que la météo devienne plus favorable. Amusés par la situation, des enfants se sont regroupés à quelques mètres des véhicules. C'est l'occasion de faire un peu de prévention. Pas fort, parce que c'est comme ça que tu as pris en ce moment. J'ai une cache d'armes, j'appelle. Obus de mortier, grenades, mines, en zone de guerre, les enfants peuvent trouver ces objets de mort et jouer avec. Alors dès qu'ils le peuvent, les soldats distribuent ces prospectus mettant en garde la population. Dans tous les villages qu'on a visités, t'as fait distribution de tracts. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, dès qu'on a un peu de temps, alors. Ouais. Bon, ça va faire une émeute, là. Je leur dis un par un. Ils viennent un par un. La distribution commence, et comme prévu, c'est dans un joyeux bazar que les tracts sont donnés. En quelques secondes seulement, tous les prospectus sont changés de main sous le regard amusé de Fabien. Un petit moment de répit que les premières gouttes de pluie viennent interrompre. Pour ceux qui sont claustrophobes, hein, c'est pas le moment. Il va attendre juste que ça passe, rien d'autre après. Dehors, l'orage est violent. Les hommes vont devoir rester confinés dans leur véhicule plusieurs heures. C'est comment dehors faire ? Je pense que ça, c'est pas une... Ok. On peut ouvrir ? Ouais. Il est 4 heures du matin lorsque la tempête s'éloigne enfin. L'objectif est à 2 jours de piste et les orages risquent de les retarder. Les hommes ont juste le temps de faire une toilette avant de repartir. À Gao, malgré une saison des pluies hors normes, les activités quotidiennes ont repris leur rythme. Lorsqu'ils n'accueillent pas de blessés de guerre, les équipes de santé font essentiellement de l'aide médicale à la population. Une tradition du service de santé des armées depuis sa création. Par
consultation, échographie, service de radiologie, bloc chirurgical. Ici, les civils de la zone de Gao ont accès à des soins qu'ils n'auraient pas les moyens de s'offrir dans un hôpital malien. C'est allé assez profond quand même. Hein. Ah ouais. Mais il faut toujours rester sur le qui-vive. Les combats se sont récemment intensifiés et à tout moment, des blessés multiples peuvent arriver. Il est 8h30. Le commandant Dimitri doit voir une dizaine de patients ce matin. Dans sa chambre, le petit Awara, 6 ans, attend le chirurgien avec son père. Suite à un accident de vélo, il s'est cassé le bras gauche. Un guérisseur traditionnel lui a alors posé une attelle de fortune. Mais trop serré, le pansement a entraîné une paralysie totale de la main gauche. Ça va. Venez, venez. Entrez. Dimitri va devoir opérer. Ça va, il a pas trop peur? Un peu. Bon. L'objectif, hein, c'est de faire en sorte que ses doigts soient ouverts complètement. Très bien. Voilà. Voilà. Pour ça, il va falloir ouvrir son bras pour que ses doigts puissent étendre complètement et qu'il puisse se servir de sa main. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Ça va mieux qu'hier, hein. Allez. À demain. Il est 8 heures lorsque Déborah, infirmière anesthésiste, vient chercher le petit garçon. Viens dans les bras. Déborah, bienvenue. Apeuré par cet univers qu'il ne connaît pas, Awara est vite endormi. À la fin de l'opération, le chirurgien saura tout de suite s'il a réussi ou non à redonner de la mobilité à sa main. Tout va dépendre de l'état des lésions internes qu'il s'apprête à découvrir. Sylvain, 200, ça te va pour le garrot? Bon, mais on peut inciser pour vous, c'est bon? C'est bon pour nous, il faut y aller. Il va falloir se libérer muscle par muscle. Alors là, on va passer par là. En comprimant le bras, l'attelle censée soigner la fracture a agi comme un garrot. En coupant la circulation du sang, les muscles n'ont plus d'oxygène et meurent peu à peu. Il faut vraiment y aller tout doux avec le nerf. C'est une pathologie que connaissent bien les chirurgiens militaires. Car en cas de blessure par balle, des garrots sont posés pour arrêter les hémorragies. Son nom, le syndrome des loges. Le syndrome des loges, c'est ce qui survient quand... Quand il y a trop de pression dans une loge musculaire, là, dans ce cas-là, la loge antérieure de l'avant-bras. En fait, ça comprime toutes les structures qu'il y a à l'intérieur de la loge. Ça fait d'abord très mal. Plus la pression monte, plus les éléments fragiles meurent. Donc d'abord, c'est le muscle qui souffre, puis c'est les nerfs. Et si on n'opère pas en urgence, ça donne des séquelles, comme on peut voir chez ce petit. Mais pour les pieds, les orteils, ça fait pareil? Ouais, ça fait pareil. Ça peut faire pareil dans toutes les loges musculaires du corps, hein, même la cuisse, même la fesse, même le ventre. Hein, ça fait pareil dans le ventre. Donc le but de l'intervention, c'est de libérer tous les muscles pour qu'ils puissent à nouveau étendre ces doigts là, qui sont bloqués complètement dans une position qu'on appelle en griffe. Donc normalement, si tout se passe bien, à la fin de l'intervention, ces 4 derniers doigts là pourront être étendus. On va dissocier les deux muscles. Loge après loge, nerf après nerf, Dimitri parvient à libérer la pression dans l'avant-bras. Et le résultat de son intervention se voit en temps réel. Ok, alors, notre fléchisseur profond qui est là, on voit que quand j'essaie de tendre les doigts, il se tend, hein, ça on le voit bien là. Et donc là, on peut voir la différence par rapport au début de l'intervention. Hein, voilà. On arrive à obtenir une extension complète de tous les doigts, y compris en extension du poignet. Donc c'est plutôt satisfaisant. Le but, ça va être que tout ça cicatrise et que, voilà, on va le suivre en consultation et vérifier que ça se passe bien. Il a retrouvé toute sa mobilité ou il va garder quelques séquelles? Alors, il va garder quelques séquelles. Hein. C'est sûr qu'il va garder des déficits nerveux et une raideur. Mais s'il a une main qui arrive à faire ça, déjà, on aura gagné, quoi. Bon, ça va, c'est toujours détendu, c'est bon? Ouais. Super. Ouais.
Sans le programme d'aide médicale à la population, Awara n'aurait sans doute jamais pu bénéficier d'une telle opération. Grâce à l'intervention de Dimitri, le petit garçon va retrouver l'usage de sa main. Et pour son père, c'est inespéré. Moi, je suis très content. Vraiment, je suis très content. La main est comme ça. Mais ils ont enlevé jusqu'à sa belle de mouvement maintenant. Non, super. Merci Barca. Merci la France. Dans la zone de Tombouctou, la mission se poursuit. Le convoi arrive bientôt sur son objectif principal, un village qui servirait de base arrière au groupe terroriste qu'il traque depuis 5 jours. Là, on est à 1,7 km de l'entrée du village. Et c'est sous la protection de deux hélicoptères Tigre que le convoi pénètre dans le village. Alors que les Tigres font de larges cercles au-dessus du village, les blindés progressent lentement. Ces villageois, loin de tout et sans protection, vivent sous la coupe des groupes armés terroristes. Les soldats s'attendent donc à trouver une population au mieux silencieuse et au pire hostile. Mais en découvrant l'école, Fabien comprend qu'ici, les villageois résistent. Ça, c'est quand même un bon signe que la ville n'est pas trop sous emprise. Gâte, parce que généralement, les premiers trucs qu'ils arrêtent, c'est les écoles. Le dernier cours date de quelques jours seulement et il traitait de l'indépendance du Mali. Le groupe terroriste a fui vers le nord en apprenant l'arrivée des soldats français. La décision est prise de mettre en place une AMP, c'est-à-dire une aide médicale à la population. Tac. Vous voyez, même si on met des tables pour la table consultation, au 10 soir, on les met 4. L'accueil sera dehors. Ici, je pense qu'on va faire une grande salle de soins avec éventuellement... si on peut séparer un ou deux boxes, comme ça. Avant de transformer cette salle de cours en salle de soins, Fabien doit laisser les démineurs inspecter les lieux. Ce n'est qu'après cette vérification minutieuse qu'il peut enfin investir les lieux avec son équipe. On est venu faire une action d'aide médicale à la population, c'est-à-dire qu'on va faire des consultations gratuites pour les gens du village qui le veulent. Dans un créneau de données. Là, on a environ 3 heures. 3 heures de notre temps qu'on offre aux villageois pour améliorer leur santé. À l'extérieur, la foule des grands jours s'est rassemblée. La nouvelle qu'un médecin est présent s'est répandue comme une traînée de poudre. Et ici, au cœur du Sahara, c'est une visite rare dont il faut savoir profiter. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Les premiers à passer sont les notables du village. Tous des hommes d'âge mûr. Les femmes et les enfants doivent attendre leur tour. Là, tu as mal où, là ? Tu as mal dans les articulations, ça, le poignet ? Tu tousses beaucoup ? Beaucoup ? Arthrose, bronchite chronique, problème de tension, Fabien enchaîne les consultations sans pouvoir toujours apporter toute l'aide nécessaire. Je vais te donner des médicaments pour la douleur, d'accord ? Ça, matin et soir. Allez, c'est pas un de là, ça. Là, il y a un mois de traitement. Un peu de frustration parce que y a plein de choses qu'on voit qu'on n'a pas les moyens d'aider. Soit parce que c'est des choses qu'on ne s'attendait pas à voir ici et donc on n'a pas dans notre caisse le médicament. Soit parce que tout simplement on n'a pas le moyen technique de les aider. Donc c'est un peu frustrant. Alors que Fabien en termine avec les notables, une femme se présente avec un bandage à la main. Tu veux voir la main, qu'est-ce qu'il y a ? Elle a une plaie qui s'est infectée et qui creuse les chairs. Alors, fais voir le dessus de la main. Ça fait un mois. Bon, on va lui faire le soin. Bon, du coup, ça, c'est une grosse plaie bien infectée. Je vais la mettre sous antibio. Je vous laisserai faire le pansement tous les deux, si ça vous va. Voilà, pour essayer de bien nettoyer la plaie. Alors, là, on va essayer de bien nettoyer, de faire le pansement. D'accord ? On te donnera de quoi faire le pansement à la maison. Et en plus, tu auras des antibiotiques à prendre. D'accord ? Au départ, c'était une simple plaie. Mais dans ce village isolé, sans accès aux soins, elle s'est infectée et continue de s'étendre. Le major Patrick se prépare à soigner. À ses côtés, il a demandé la présence d'un personnel féminin pour l'aider à gérer la patiente.
Il sait que l'intervention va être douloureuse. Je vais essayer de ne pas faire mal, d'accord ? Tu dis à la dame de lever la main si elle a trop mal, l'autre main, d'accord ? C'est avec délicatesse que Patrick désinfecte peu à peu la plaie. Mais les chairs sont à vif et il doit faire des pauses. Après, il faudra qu'elle prenne de l'avance, il faudra qu'elle en prenne deux matin, midi, soir, là pendant 6 jours. D'accord, tu l'expliqueras. Faire des soins comme ça et d'aider les populations locales, est-ce que ça donne en partie du sens à ce genre de mission ? C'est sûr que ça donne beaucoup de sens. Voilà, parce que le papa que je suis, aujourd'hui, se retrouve dans une école à faire des soins à une population qui n'en bénéficie pas forcément. Et donc, oui, voir des jeunes jouer au ballon, voir des jeunes se faire soigner, revoir des sourires, tout simplement. C'est bonifiant. C'est un vrai bonheur et une véritable chance pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. Pour vous aider. En pénétrant dans ce village, les soldats français pensaient trouver une population plus ou moins hostile ou soumise à la pression des groupes terroristes. Finalement, ils ont découvert une école qui résiste et des habitants qui ont surtout besoin que l'on s'occupe un peu d'eux. Pour Fabien, c'est la fin de la mission. Le groupe terroriste qu'il poursuivait a fui temporairement vers le nord. C'est le moment de retourner à la base. Il est 19h30 à Gao. C'est l'heure de se détendre pour les équipes médicales de la base. Pétanque, partie de cartes, ces moments sont importants pour décompresser. D'autant plus qu'ici, à chaque instant, tout peut arriver. Les équipes doivent rejoindre les salles de soins en urgence. Un hélicoptère Caïman est en route avec 3 blessés par balle à son bord. À l'hôpital, tout est rapidement prêt pour les accueillir. Allez, poste 1 pour celui-là, je commence à le prendre en charge. L'ambulance arrive de l'aéroport avec un premier blessé. Il a pris une balle dans la jambe. Il est enregistré sous le code GMC1. Le second blessé arrive dans la foulée. Il a une blessure par balle au bras et une autre au niveau du torse. Poste numéro 2. Il est noté GMC2. Ce sont des soldats maliens qui sont tombés quelques heures plus tôt dans une embuscade dans la région de Gao. Ça va, t'inquiète pas. Voilà, reste comme ça, on va faire une radio, bouge pas. Bon, c'est pour ton bien. Est-ce qu'on peut avoir une bande de contention pour les jambes, s'il vous plaît ? Touché au niveau du mollet, le premier blessé porte un garrot depuis plus de 5 heures. Allez, on défait le garrot. Retrait du garrot, on peut noter l'heure, s'il vous plaît ? Les médecins doivent relâcher la pression dans la jambe rapidement. Ok, garrot lâché. On peut avoir un pansement hémostatique pour lui, s'il vous plaît ? On peut noter au tableau, s'il vous plaît, pour GMC1, faste négative. Sur ce tableau, toutes les observations et les premiers soins prodigués sont notés avec minutie. C'est en fonction de ces notes que les médecins décideront de l'ordre de passage au bloc opératoire. À côté, Pierre, c'est bon pour toi ou pas ? Je vais aller voir. C'est Sylvain, le médecin anesthésiste du bloc qui donne les ordres. Son rôle est de garder une vue d'ensemble afin que la chaîne de soins s'articule au mieux. Et à chaque nouvelle arrivée de blessé, il fait une échographie pour vérifier que les organes internes n'ont pas été endommagés. Ok, faste négative pour GMC2. Allez, attention radio, sortez. Pour le second blessé, la balle dans le torse ne semble pas avoir touché d'organe vital. La radio va permettre de la localiser. GMC2, il a pas le numéro, il s'est pas pété. Pour la radio de thorax, la balle est juste à l'entrée du thorax. Voilà. Dimitri, on se fait un petit point là. Ouais.
Ping. GMC1, c'est celui-là là-bas. GMC1, c'est le premier ici. Il a pris une balle dans le mollet, à environ 5 heures de garrot. Il a une jambe là qui souffre. Sur le plan général, les constantes sont bonnes. Simplement, sur le plan neuro, il est gasgo 12-13. Il a tendance plutôt à s'enfoncer un peu. GMC2, il a pris la balle dans le bras avec un éclat qui est ressorti a priori sur la face antérieure du thorax. Stable sur tous les plans. Fast neg, pas de souffrance particulière. Celui-là, ce sera en troisième position. Celui-là, plutôt en troisième. Et pour GMC3, du coup, Clément ? Arrivé il y a 5 minutes, un troisième blessé a pris une balle qui lui a traversé l'épaule de part en part. Le bras semble paralysé. Dimitris sait qu'il va avoir une opération délicate. Blé par balle avec un orifice d'entrée antérieur sur l'épaule, des orifices de sortie multiples. Il a un déficit neurologique complet sur une atteinte plexique. Il y a l'artère axillaire au milieu quand même, donc il faudra faire gaffe. Ok, Déborah, on le passe en priorité à l'angioscanner. On passe celui-là en premier au bloc. La décision est prise. C'est ce dernier blessé, touché à l'épaule, qui est préparé pour une intervention chirurgicale urgente. Pour l'anesthésier, Sylvain va devoir effectuer un geste douloureux. Les infirmiers n'ont pas réussi à piquer les bras pour poser la perfusion. Le médecin va devoir piquer l'abdomen. Ok, ça va piquer, tu bouges pas, hein, d'accord ? Je bouge pas. Tu bouges pas. Allez, souffle un grand coup. J'y vais tout doux, tout doux, tout doux. Non, bouge pas, bouge pas. Ok, la voix est posée. Non, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, c'est parfait, c'est fini, c'est fini. Subitement, l'état du premier blessé empire. Il doit passer en urgence au bloc. Respire branché, gaz allumé. Je te mets le masque, c'est de l'oxygène, d'accord ? Voilà, tout va bien. On t'endort pour un petit moment et on te réveille juste après. Le garrot est resté trop longtemps serré au-dessus de son mollet. Plus de 5 heures. On peut y aller ? Oui. C'est bon. Allez, incision. Pour éviter l'hémorragie et donc la mort, la pose d'un garrot était indispensable. Mais s'il reste posé trop longtemps, il fait courir un risque d'amputation. Et c'est ce que Dimitri veut éviter à tout prix en l'opérant en premier. Le garrot a probablement sauvé le patient. Ce malade a reçu une balle à 16h20 aujourd'hui. Et au vu des délais d'élongation et d'évacuation qui peuvent parfois être compliqués au Mali, là il est actuellement 23h. Donc si effectivement il n'avait pas eu le garrot, probablement qu'il aurait perdu trop de sang et serait peut-être décédé ou du moins dans un état critique s'il n'avait pas eu le garrot. Si le garrot a sauvé la vie de ce soldat, en restant posé trop longtemps, il a failli lui faire perdre l'usage de sa jambe. Mais en l'opérant en urgence, Dimitri vient de lui éviter l'amputation. Le second à faire son entrée au bloc est le dernier soldat arrivé qui a pris une balle dans l'épaule droite. Elle l'a traversée de part en part, juste sous l'articulation. L'intervention s'annonce longue et délicate. Il a eu un point d'entrée au niveau du creux axillaire à droite, qui est ressorti sous le creux axillaire droit. Donc la chirurgie là consiste, il y a trois temps principaux. Il y a un temps d'exploration, c'est-à-dire qu'ils vont constater de visu les lésions occasionnées. Il y a un temps de parage, c'est-à-dire de retirer en fait les tissus qui ont été abîmés par la balle, hein, les tissus nécrosés du coup du fait du passage de la balle. Donc ça peut être de la peau, un peu de muscle, de la graisse. Et enfin un temps de réparation, éventuellement des réparations nerveuses, des réparations vasculaires, pour essayer d'améliorer la récupération fonctionnelle du blessé. Après 2 heures d'intervention, allez, ok, extraction du voyage. L'équipe s'apprête à recevoir son troisième blessé par balle. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'épaule ou la jambe qui sont touchées, mais le thorax. Une balle a traversé le bras avant de lui perforer le côté gauche du torse. Ici, sur la radio, la blessure paraît impressionnante. La balle n'a finalement pas fait de lésion grave. Allez, on va t'endormir, je te dis à tout à l'heure. Au toucher, Dimitri peut même sentir le projectile. Allez, incision, j'ai une hérite. Ce patient a eu de la chance. Non. Ouais, expliquez pourquoi il a eu de la chance. Et une balle lui a traversé le bras sans faire de lésion, ni vasculaire, ni nerveuse, ni osseuse. Et la balle est allée se planter dans le thorax, sans rentrer, en se posant sur les côtes. En faisant que des lésions superficielles, finalement. Traverser un bras et se planter dans une poitrine, c'est une balle qui avait parcouru un peu de chemin, déjà.
bah c'est bien, bravo à tous. C'est une bonne soirée. L'équipe a bien travaillé. On a pu prendre en charge tous les malades assez rapidement, y compris que ce soit l'accueil au déchocage et également les accueillir au bloc opératoire et les opérer dans les meilleurs délais. Là, il est bientôt 2h du matin, donc on a terminé les trois blocs opératoires. Heureusement, en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de, blessures graves. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, des pronostics fonctionnels qui restent à déterminer, mais pour l'instant, le risque vital n'est pas engagé. Si les blessés sont sains et saufs, pour les équipes médicales, la nuit n'est pas encore finie. Il faut reconditionner les salles de soins et le matériel, car ici, à tout moment, des blessés de guerre peuvent arriver. Médecins aux côtés des combattants, infirmiers en première ligne ou chirurgiens au bloc, les équipes médicales du service de santé des armées sont partout où se trouvent nos soldats. Des urgentistes de l'extrême qui sauvent des vies là où le danger est le plus grand.